Journée moulinoise, vendredi 30 mars, pour la secrétaire d'État aux armées, Madame Geneviève Darrieussecq. Au programme, inauguration de l'exposition « L'enfant dans la guerre » au conseil départemental et rencontre avec les associations d'anciens combattants à la préfecture. Sa matinée, elle, a été entièrement consacrée aux élèves de 3e du collège Émile Guillaumin. Des élèves qui s'illustrent avec leurs professeurs par leurs brillants travaux intitulés « De la guerre à la paix, de Moulin à l'Europe ». Un projet qui les a conduits de Verdun au camp de concentration de Struthof, ainsi qu'au Parlement européen. Une manière de ressentir physiquement toute l'horreur de l'époque. Des témoignages poignants que les élèves ont souhaité partager avec la secrétaire d'État. Il faut qu'on arrête un peu de se plaindre pour un rien, parce que eux, ils se plaignaient, mais pas comme nous on le fait, pour tout ce qu'ils ont pu vivre. L'occasion aussi pour Madame Darrieussecq d'aborder avec les élèves une actualité plus directe, comme les attentats de Trèbes. Et je crois que la meilleure réaction par rapport à tout cela, c'est de faire ce que vous faites, ce que vous avez fait là, c'est-à-dire de faire ce type d'étude, de voir ce qu'est l'histoire de ce pays, de voir quelles sont les valeurs que tous ces combattants de la guerre 14-18, de la guerre 39-45 ont voulu porter. Et de voir que c'est quand même la solidarité et que c'est quand même le fait que les gens se soient unis qui a fait que l'on a pu vaincre un petit peu tout cela. Et moi, je crois beaucoup dans ces valeurs que vous avez, justement, que vous connaissiez certainement d'ailleurs, mais que vous avez pu un peu plus sentir et comprendre dans le travail que vous venez de faire. Des élèves impliqués et qui ne s'opposent pas à l'idée d'un futur service citoyen. Un heureux constat pour la secrétaire d'État. Les notions d'engagement, c'est de toute façon ce que nous portons au niveau du ministère des Armées. C'est ce que nous portons dans toutes les actions que nous menons pour la jeunesse. Et c'est ce que nous voulons porter dans le service national universel qui est en cours d'études actuellement. Et je crois que c'est aussi ce que ressentent ces jeunes que j'ai vus aujourd'hui, qui ont fait un travail assez extraordinaire et qui ont bien vu que l'engagement de certains a permis, ils l'ont très très bien exprimé d'ailleurs, a permis de faire en sorte que notre pays soit ce qu'il est et qu'il vive avec des valeurs de liberté, de démocratie. Et je crois que l'engagement est un... c'est pas un outil, c'est la valeur la plus forte pour pouvoir résister à tout le reste. Une rencontre enrichissante pour les élèves dont le projet s'inscrit pleinement dans le programme scolaire. Une de nos missions, c'est d'essayer d'ouvrir le collège sur l'extérieur et de montrer que le collège, c'est un lieu de vie, mais un lieu aussi de culture, de connaissance, d'ouverture. Et on essaie d'ouvrir le collège sur l'extérieur ou de faire venir l'extérieur vers le collège. Chaque fois que c'est possible, chaque fois qu'on en a l'occasion. Le point de départ, c'était de travailler un petit peu sur nos monuments aux morts et de créer des QR codes que n'importe qui pourrait flasher pour avoir plus de renseignements sur l'histoire locale du lieu, et, puisqu'on a des élèves qui viennent de plusieurs communes, donc que chaque commune puisse avoir des renseignements supplémentaires. Et l'idée, c'était d'emmener ensuite les élèves sur ces lieux de mémoire, que ce soit Verdun, le camp du Struthof ou le Parlement européen, pour montrer comment on a pu passer de deux guerres mondiales successives à une construction de la paix qu'on espère plus durable et avec l'élargissement à l'Europe, ce qui rentre tout à fait dans le programme des enseignants. Et c'était un petit peu la logique du projet qui devait être présenté. On a demandé aux élèves de réaliser un carnet de voyage parce que c'est l'objet d'un travail. Hein. C'est pas pour l'intérêt des monuments en eux-mêmes, c'est aussi montrer que le collège est un lieu de culture, mais aussi d'apprentissage des futurs citoyens qu'ils devront être. Une équipe enseignante fière de ces élèves qui seront invités le 24 mai prochain aux Invalides à Paris. Leur projet étant l'un des 3 sélectionnés parmi les 600 présentés à l'échelle nationale.